Voilà, on va commencer. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième webinaire sur le savoir expérientiel. Donc, je rappelle que ce webinaire se situe dans le cadre d'un travail mené par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale, en lien avec le PSYCHOM et le GEM, les Ch'tis Bonheur. C'est un travail qui nous est demandé par l'OMS, puisqu'on doit rendre des délivrables. Et nous sommes partis sur cette recherche pour faire valoir le savoir expérientiel. Le définir et puis essayer de le valoriser, de le favoriser. C'est d'ailleurs les questions que nous avons posées aux panélistes et à tous les panélistes depuis les trois premiers webinaires. Alors nous avions commencé à travailler avant l'épidémie en collectif. Bon, l'épidémie a bouleversé un peu notre modalité de travail. Nous avions fait, d'un premier temps, des interviews croisées entre usagers, entre personnes ayant des savoirs expérientiels du fait de leur passage en psychiatrie, professionnels, mais aussi savants. Notre groupe est composé essentiellement d'usagers, mais pas uniquement. Il y a aussi des professionnels et ce qu'on appelle des savants académiques. Et on a essayé de faire en sorte que le travail soit un pied d'égalité. Nous sommes surtout intéressés par la valorisation des savoirs expérientiels, c'est-à-dire que sans mettre de hiérarchie entre ces savoirs. Alors nous sommes passés ensuite en webinaire. Les deux premiers webinaires ont été particulièrement intéressants avec des interventions de nombreuses personnes qui ont travaillé sur le sujet, des personnes concernées, on pourrait dire. On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux savoirs expérientiels, savoir du soin, du rétablissement, de la stigmatisation, de la discrimination. Savoir expérientiel du trouble, de la psychiatrie, du parcours en psychiatrie, de la santé mentale qui devient un savoir plus citoyen. Comment le témoignage pouvait passer au statut de savoir, ce qui n'est pas évident. Comment retracer aussi la charge émotionnelle qui a trait au témoignage, qui a trait au savoir expérientiel et comment la passer dans un enseignement qui serait possible du savoir expérientiel à d'autres. Voilà qui n'est pas hormis par les pairs. Et puis, comment rentre ce savoir opérationnel? On a l'impression tout de même que ce savoir permet d'aller mieux pour soi et pour les autres. Et c'est tout de même important de pouvoir le valoriser. Et pour le valoriser, il faut le définir. Donc, dans ce troisième webinaire, nous avons invité deux chercheurs. De chercheurs qui sont particulièrement investis dans le champ de la santé et de la santé mentale. Donc, Lise de Mailly, qui est professeur de sociologie émérite, membre du CLERC et membre du conseil scientifique du CSOMS, surtout pour nous participer à l'évaluation sociologique de la mise en place du programme des médiateurs santé pairs. Elle mène une quantité de recherches sur l'évolution du champ de la psychiatrie et je pense que le savoir expérientiel a modifié cette évolution du champ de la psychiatrie. Voilà, Luigi Flora est un patient-chercheur qui est devenu docteur en sciences de l'éducation. Il est spécialiste du savoir expérientiel issu des expériences de la vie et de la complémentarité des savoirs entre patients et professionnels. Voilà, on avait parlé dans un de nos webinaires de métissage entre savoirs. Ça pour Luigi. Il a été à l'origine ou dans les équipes investigatrices de plusieurs innovations impliquant les patients et les systèmes de santé. Voilà, il est impliqué dans la Cité de la Santé, la Cité des Sciences depuis 2000. Et puis il a été co-constructeur du modèle de Montréal, c'est même important ça. Depuis 2010 et avec l'Université du Soin en 2018 à Nice, du Centre d'innovation de partenariat avec les patients et le public de la Faculté de médecine de l'Université de la Côte d'Azur depuis fin 2019, en tant que co-directeur patient en association avec David Dermont, co-directeur médecin. Il travaille aussi
comme coordonnateur du partenariat avec les personnes à l'épreuve du psychotraumatisme au sein du Centre national de ressources de la résilience de CN2R. Voilà, donc on va vous laisser la parole. La demande qu'on vous avait faite, c'était un peu de définir ce que serait le savoir expérientiel en santé mentale, d'après vous et vos recherches. La parole à des chercheurs aujourd'hui. Et puis comment le valoriser, comment le promouvoir, le favoriser. Donc, vous avez chacun une demi-heure pour votre intervention. On va commencer par Lise, une intervention plus générale, puis par Luigi. Ensuite, Déborah Seban et Wendy Hud animeront les questions à partir du chat. Et demander à tous les intervenants de pouvoir écrire sur le chat les questions qu'ils souhaitent poser ou vos remarques, interventions. Voilà, pendant environ 50 minutes. Et j'essaierai de conclure ce webinaire dans les 5 minutes qui restent. Je tiens à toutes et tous vous remercier pour votre participation. Et Lise, c'est à toi la parole. Merci. Je vais partager mon écran pour mettre en route un PowerPoint. Ça marche? Oui. Ça marche. Bon. Donc, je suis sociologue et je suis sociologue qualitativiste. Donc, je travaille essentiellement par observation in situ et par entretien avec les gens. Et j'ai discuté avec beaucoup de patients des services psychiatriques, que ce soit en intra, en ambulatoire ou en ville. Et donc, c'est à partir de cette expérience de rencontre avec des usagers de la psychiatrie en tant que sociologue que je vais vous parler. Puis comme Jean-Luc l'a dit, j'ai travaillé sur le programme des médiateurs de santé pair et là aussi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le savoir expérientiel. Alors, ce savoir expérientiel, comment je le définirais? C'est un savoir qui est acquis dans et par l'expérience. Et en fait, c'est une triple expérience. C'est une expérience en tant que patient, c'est-à-dire en tant qu'usager d'une institution, mais je dirais pas toujours usager, aussi assujetti à cette institution, notamment dans le cas de l'hospitalisation sous contrainte. Deuxième source de savoir expérientiel, c'est le fait d'être malade, mais malade entre guillemets, ou je dirais aussi sujet troublé, sujet avec des troubles psychiques. Et donc, avec de la souffrance, avec des symptômes, avec des inadaptations, avec des handicaps et avec un espoir de rétablissement ou de guérison. Voilà tout ce qui concerne le rapport à la maladie. Et enfin, troisième source du savoir expérientiel en tant que citoyen et ou travailleur. Alors, Jean-Luc avait posé la question, est-ce que c'est le savoir expérientiel en santé mentale est le même qu'en santé somatique? Alors, pour moi, oui. On pourrait me faire une objection, c'est l'expérience de la stigmatisation, dont on pourrait penser qu'elle est spécifique au savoir expérientiel de santé mentale. Elle est d'ailleurs importante dans le savoir expérientiel de santé mentale. Mais je dirais qu'il y a aussi des maladies somatiques qui s'accompagnent d'une forte stigmatisation. Bon, ça a été le cas du sida. Bon, ça l'est moins maintenant parce que justement, les associations concernant le sida ont lutté contre la stigmatisation, mais ça reste une source de stigmatisation. Et je dirais que toute maladie somatique grave s'accompagne d'une sorte de mise à l'écart, de relégation, car les humains n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'ils sont fragiles et éphémères. Donc oui, j'en conclus, on peut dire que conceptuellement, c'est la même chose, le savoir expérientiel en santé mentale et en santé somatique. Alors, je vais... Excuse-moi, c'est Déborah. Je me permets juste de te couper. Est-ce qu'il était possible d'agrandir ton diaporama en plein écran? D'accord. Voilà. Vous le voyez mieux comme ça?
C'est oui, c'est plus grand. C'est plus grand, il faut encore que ça soit plus grand. L'idéal aurait été que tu affiches en plein écran, en haut. Si tu Bah, affiches je l'écran. garde tout de même une petite colonne. D'accord, bah, c'est bien, on voit bien comme ça. Voilà. Merci. Voilà. Excuse-moi. Donc, je vais reprendre ma triple source de savoir expérientiel et expliciter un petit peu. Alors, les savoirs expérientiels en tant que patient, c'est quoi? C'est une connaissance de l'institution de soins, de ses mécanismes, de ses soignants. J'ai été toujours fascinée en tant que sociologue de voir que les patients observaient l'institution, avaient une opinion sur elle, des connaissances sur la manière dont fonctionnent les psychiatres, dont fonctionnent les infirmiers, et développaient plein de savoir y faire avec elle, pour ne pas être écrasé, pour ne pas être maltraité. Plusieurs fois, des patients m'ont dit, je vous dis ça à vous, donc j'étais là en train de les écouter en tant que sociologue, mais je ne le dis pas au psy, bien sûr, parce que aussitôt, ça déclencherait telle et telle chose qu'ils ne voulaient pas. Donc, il y avait des développements de savoir y faire avec l'institution pour éviter certains désagréments, pour en tirer certaines petites améliorations de la vie. Je pense notamment à l'intra, hein, à l'intra qui est quelque chose d'assez difficile à vivre pour les patients. Donc, développer des savoirs sur savoir quand être discret, savoir quand faire un clash, savoir quoi ne pas dire, savoir ce qu'on peut attendre des soignants comme aide. Savoir quelles sont leurs pratiques. Bon, lors des interviews concernant le travail des médiateurs de santé pair, j'avais demandé souvent aux usagers qu'est-ce que vous apporte le médiateur de santé pair et qu'est-ce qu'il vous apporte de spécifique, qu'est-ce que les autres ne vous apportent pas. Et j'avais des récits du genre, ah ben oui, les infirmiers, ils viennent 10 minutes et puis il pose telle et telle question, il me donnait la liste de questions que posait l'infirmier, et puis c'est fini. Tandis qu'avec le médiateur de santé pair, il y a plein de choses dont je peux discuter avec lui. Voilà, et je me rendais compte donc que les usagers avaient vraiment une connaissance de l'institution. Alors bien sûr, ils seront plus ou moins habiles, et ces savoirs qui sont intéressants à recueillir sont parfois très très critique par rapport au fonctionnement de la psychiatrie. Parfois aussi, ça peut être un hommage. Hein. Ça peut être un hommage parce que dans certains secteurs, il y a eu des innovations qui ont été développées et les usagers sont capables de les voir, de les reconnaître, de les évaluer. Hein. D'une certaine façon, les usagers ont des capacités très fines d'évaluation du fonctionnement des services psychiatriques. Ils sont aussi capables d'évaluer ce que ça leur fait, la psychiatrie. Hein, par exemple, quand je vais dans une unité intra et que tous les usagers me disent, les 15 usagers qui sont là me disent, ici, on s'ennuie comme des rats morts, c'est une évaluation du fonctionnement de cette unité intra. Je passe maintenant au savoir en tant que malade. Alors, ça, c'est des savoirs qui concernent le vécu de la souffrance spécifique de la santé mentale, le vécu des symptômes. Hein, il n'y a que les usagers, finalement, qui connaissent de l'intérieur ce qu'est un symptôme psychotique, par exemple. Donc, cette connaissance fine, intime, de la souffrance et des symptômes spécifiques aux troubles psychiques. La connaissance des effets des médicaments, là aussi, il n'y a qu'eux qui ont cette connaissance intime des effets des psychotropes. La connaissance des effets des situations et des relations, que telle situation permet un aller mieux, que telle situation est toxique, que telle relation permet un aller mieux, que telle relation est toxique. La connaissance de qu'est-ce qui déclenche une crise et quoi faire, comment se calmer en cas de crise. Bon, il y a d'ailleurs des secteurs où on travaille spécifiquement là-dessus avec des protocoles qui permettent de travailler entre infirmiers et patients autour de qu'est-ce qui déclenche une crise et quoi faire en cas de crise.
des savoirs sur où trouver de l'aide et des savoirs sur qu'est-ce qui permet d'aller mieux, qu'est-ce qui permet de se rétablir. Bon, je vais revenir sur ce point dans une diapo ultérieure. Entend maintenant que citoyen et travailleur. Alors, le travail joue un rôle central dans le rétablissement. Et le cas des MSP, des patients formateurs ou des patients experts, montre qu'ils développent des savoirs spécifiques en étant à la fois malades, usagers, hein, il faut toujours mettre des guillemets malades, et travailleurs. Hein, donc, des compétences spécifiques qui sont à l'intersection de ces deux statuts. Alors, c'est le cas des MSP, mais je dirais aussi participer à un GEM, militer à la FNAPSI ou dans une autre association, joue le même rôle de développement de ces savoirs expérientiels spécifiques au confluent du trouble psychique et de l'activité sociale. Travailler dans un club thérapeutique, bon, visiter par exemple des usagers qui travaillent dans une radio et puis d'autres qui tenaient une buvette. Hein, c'est le cas des clubs thérapeutiques dans lesquels des usagers travaillent réellement. Alors, pour cette troisième catégorie de savoir expérientiel, il s'agit d'une certaine façon de savoir-faire ordinaire, mais du point de vue d'une trajectoire de soins et de vie. Alors, un des axes essentiels de cette catégorie de savoir expérientiel est de donner les moyens de lutter contre la stigmatisation et contre l'auto-stigmatisation, la honte, mais aussi de lutter contre des discriminations et des atteintes aux droits, éventuellement, en mobilisant des aides utiles. Hein, donc, cette troisième catégorie de savoir est aussi extrêmement importante. Alors, j'avais dit que j'allais développer un petit peu les savoirs de l'aller mieux. Alors là, ces savoirs de l'aller mieux, c'est, je pose très simplement aux usagers la question, qu'est-ce qui vous aide à aller mieux? Alors, les réponses les plus fréquentes, c'est l'amour. Hein, l'amour, ça change la vie. Le travail professionnel, je disais que pour moi, c'était central. L'accès au travail est central dans l'aller mieux des sujets troublés. L'amitié, les rencontres, les relations. Avoir un logement, c'était le point de départ d'ailleurs du programme Housing First hein, pour les SDF. L'idée que, avant même de se préoccuper de donner des médicaments ou donner du soin psychique, la première chose qu'il fallait faire, c'est donner un logement et que c'était un facteur de l'aller mieux. Bon, mais les évaluations ont montré que le logement ne suffit pas à soi seul. Hein. Il faut aussi, ce que je disais juste au-dessus, les relations. Hein, s'il n'y a pas une vie relationnelle, le logement tout seul, ça ne marche pas. Le sentiment de se sentir utile, de sentir qu'on est utile dans la société. Toutes les activités, notamment les activités créatives, l'art, par exemple l'écriture. Bon, dans le livre « Aller mieux », on a publié un texte de quelqu'un classé schizophrène, je mets des guillemets à schizophrène, et qui s'en sort par l'écriture. Hein, l'écriture tous les jours, il écrit. Voilà, et ça lui permet d'aller mieux. On peut aussi citer le théâtre. Et enfin, il cite la possibilité du contact avec la nature. Voilà, ça c'est le discours des usagers de la psychiatrie sur l'aller mieux. Alors, autre question que m'avait posée le CCEMS, comment favoriser l'émergence de ces savoirs expérientiels? Pour moi, l'émergence de ces savoirs expérientiels, c'est-à-dire à la fois leur conscientisation, parce qu'on peut avoir des savoirs expérientiels, mais qui ne sont pas constitués en tant que savoirs, parce qu'ils sont implicites. Donc, il faut les conscientiser, il faut les dire, il faut les formaliser, il faut les parler. Donc, ce qui est essentiel pour moi, c'est les lieux de parole collective. Alors, les formules peuvent être extrêmement diverses. Ça peut être une commission de co-évaluation d'un service psychiatrique dans lequel on demande aux usagers de prendre la parole sur le fonctionnement du service. Ça peut être, comme j'ai observé dans un pôle, une réunion régulière, soignant-soigné, hebdomadaire, il y a plein de fautes de frappe, dans un pôle psychiatrique,
Hein. Donc, tous les lundis matins, des soignants et des soignées faisaient un petit point sur voilà, la manière dont fonctionnait le pôle. Ça peut être un groupe de parole. Bref, ce sont toujours pour moi des lieux d'échange collectif qui permettent l'émergence et la conscientisation des savoirs expérientiels. Autre question, comment valoriser les savoirs expérientiels? Or, je dirais que là, les formes peuvent être extrêmement diverses. On peut encourager à écrire ceux qui savent écrire, on peut en encourager d'autres à produire des documents sur des réseaux sociaux, on peut les engager à participer à des débats sur les réseaux. Bon, il y a plusieurs sites dans lesquels il y a des prises de parole qui sont intéressantes et dans lesquelles il y a des savoirs expérientiels qui sont écrits. On peut aussi valoriser les publications existantes d'usagers en processus de rétablissement. Certaines sont très intéressantes. Bon, j'aime beaucoup le livre de Lauvaigne, « Demain, j'étais folle ». C'est une fille qui avait été classée schizophrène et qui finalement réussit à guérir et qui devient même psychologue. Bon, je cite aussi là le journal d'une bipolaire au contre-coup de Nathan Filler. Bon, ce sont donc des livres, bon, ce n'est pas le commun des patients de la psychiatrie, ce sont des gens qui en général deviennent psychologues et qui sont parfaitement rétabli. Alors, quelque chose existe, il y a une thèse au jury de laquelle j'ai participé récemment sur ce sujet, des autobiographies individuelles sur Internet. Là, je suis un peu plus sceptique sur leur rôle dans la valorisation des savoirs expérientiels, parce que ce sont des affaires finalement très individuelles et individualistes. Et souvent commercial, il faudrait mener une évaluation de ces initiatives sur l'impact sur les autres personnes à troubles psychiques, à savoir est-ce que c'est mobilisateur ? Parce que l'intérêt de valoriser les savoirs expérientiels, c'est que ça soit mobilisateur pour les autres usagers, bien sûr. Bon, j'ajouterais le militantisme associatif, et je dirais en conclusion que la lutte contre la stigmatisation des malades, c'est à la fois un moyen et un résultat de la valorisation des savoirs expérientiels. Il faut lutter contre la stigmatisation pour valoriser les savoirs expérientiels, et la valorisation des savoirs expérientiels est un moyen de lutte contre la stigmatisation. Voilà, ben, j'ai terminé. Je vous signale quelques publications qui pourraient permettre d'approfondir là, ce que je vous ai dit. Alors, bien sûr, le livre « Aller mieux » que j'ai publié avec Nadia Garnoussi aux presses universitaires du Septentrion, mais aussi l'article de Rhizome sur les pratiques des médiateurs de santé pairs en santé mentale. Un travail plus récent sur le rôle de l'art dans l'aller mieux, le travail relationnel à composante artistique dans les services psychiatriques. Et enfin, quelque chose de plus général sur les transformations du champ social qui permettent de comprendre pourquoi cette question des services, des savoirs expérientiels se pose aujourd'hui. Effet et sens des exigences d'horizontalité, c'est-à-dire d'une transformation des rapports entre l'institution et ses usagers. Exigence d'horizontalité dans le champ de la santé mentale. Voilà, dans tous égaux, les institutions à l'heure de la symétrie. Merci. Eh bien, merci Lise pour cet exposé très concret et synthétique, voilà, qui porte sur la conscientisation, sur le collectif, sur l'empowerment, on pourrait dire. Et je vais passer tout de suite la parole à Lydie Flora pour son intervention. À toi, Lydie. Alors, il faut que je départage l'écran. Bonjour et merci Jean-Luc de m'inviter et merci Lise pour cette présentation que j'ai trouvée très parlante. Je vais essayer de ne pas trop être redondant par rapport à la présentation
à la communication de Lise et on va arriver à en discuter ensuite. Je ne vais pas me représenter parce que Jean-Luc l'a très bien fait. Je participe à deux structures importantes, il me semble actuellement, donc le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, qui en fait est un centre dans une faculté de médecine, mais qui agit à partir d'une faculté de médecine plutôt que dans une faculté de médecine, même si elle agit aussi dedans, et qui a la particularité en fait d'avoir été créé de par une activité d'association citoyenne. Donc même si je vais beaucoup parler de mon champ d'expertise qui est celui des patients, pour moi aujourd'hui les compétences doivent devenir vraiment transversales avec les citoyens en général, et ça rejoindra quand même beaucoup à mon sens en fait tout le courant en fait du rétablissement dans lequel en fait c'est tout le champ social qui doit être investi et pas forcément juste le système de santé pour avoir une importance. Et par rapport à ce que disait Lise en introduction sur les trucs de discrimination, j'ai toujours en tête, je crois que je l'avais déjà dit à une précédente rencontre avec l'équipe du CCOMS, il y a une intervention quand j'étais dans le champ associatif qui m'avait énormément marqué. C'était un de nos militants économistes qui avait été économiste en Angleterre et en France, et qui avait dit, en fait, lui, il était séropositif au VIH et puis il avait eu des cancers à répétition. Il a été soigné d'un cancer en France, il a été soigné d'un cancer en Angleterre. Et il disait, en fait, quand on est malade du cancer en France, on est biologiquement vivant parce qu'on a accès à tous les traitements et socialement mort. Et quand on est en fait soigné en Angleterre pour un cancer, on est biologiquement vivant parce qu'on a nettement moins accès à des traitements médicaux. Par contre, on est socialement vivant. Et ça dénote pour moi d'une particularité de la France par rapport aux représentations, par rapport à ce dont parlait Lise tout à l'heure, c'est ce sentiment d'invulnérabilité dans un paradigme qui a été décrit par Dominique Pestre, un chercheur du CNRS, comme assurantiel de nos sociétés, qui fait qu'on doit être rassuré sur tout, et donc on doit cacher en fait la mort, les preuves, etc., etc. Et on est empreint dans la société française particulièrement de ces représentations-là, et la discrimination est un gros travail à accomplir. C'est juste une introduction en réaction à quelques propos de Lise qui ont fait réagir. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça dans le chat. Donc, je voudrais repartir sur les savoirs expérientiels, une définition. Hein. Donc, les savoirs expérientiels, c'est un savoir issu de la vie, en fait, avec, hein, en général. Alors, pas forcément avec la maladie, mais aussi avec la maladie ou avec ce qu'on perçoit, en fait, de notre différence, je dirais. Et comment, en fait, on va faire avec. Et donc, ce savoir expérientiel, il y a une grande confusion, je trouve, parmi les gens qui parlent du savoir expérientiel. Les gens pensent que le savoir expérientiel, c'est juste un savoir profane. En fait, ce n'est pas forcément un savoir profane. D'ailleurs, je dirais que le savoir expérientiel, quand il devient réellement expérientiel, il n'est surtout pas profane, parce que profane, à l'origine, ça catégorise deux mondes, un monde d'initié et un monde de non-initié. Or, le savoir expérientiel issu de la vie avec la maladie, ce n'est pas un monde de profane, parce que la personne qui vit depuis un certain temps avec des troubles ou des différences, en fait, est devenue initiée. Il n'a pas forcément la même initiation que d'autres, mais voilà. Et puis après, le savoir expérientiel, ça peut être aussi un savoir issu de savoir académique que j'ai pu intégrer et que j'ai pu mettre à considérer comme forme de savoir, et qui a une implication dans mon quotidien direct. Et le savoir expérientiel, en fait, il est le plus souvent, quand il peut être socialisé en tout cas, et c'est ce qui permet, en fait, nous sommes des êtres sociaux, je ne me rappelle plus quel homme politique, je crois que c'est Jean Vallon qui avait dit qu'en fait, nous sommes des êtres génétiquement sociaux. Alors, c'était une métaphore, mais ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, ce savoir, il prend de l'importance à partir du moment où on peut le socialiser, ne serait-ce qu'en parler,
si jamais on est reconnu en face par rapport à ce savoir, c'est une manière intérieure de hiérarchiser ce savoir par rapport à un autre et que, comment je vais l'utiliser à un moment ou à un autre. Et donc ça, ça demande un minimum de réflexivité, c'est-à-dire de revenir sur son vécu pour pouvoir en fait en tirer un apprentissage qui va permettre d'être remobilisé à un autre moment. Donc, on sait depuis Dewey, qui est un chercheur du XXe siècle, que en fait, de tout vécu n'est pas extrait nécessairement un savoir expérientiel. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir vous témoigner de choses, c'est ce qu'ils ont vécu, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont réorienté leur quotidien ou leur vie par rapport à ça. Donc, et puis, on a tous en fait du vécu, dont la majorité vont tirer un savoir expérientiel, mais on ne va pas tirer un savoir expérientiel de tout ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment une différenciation qui est importante à identifier. Donc, si on revient sur la vie avec une différence ou un trouble, en fait, quand on va se rendre compte qu'on est différent des autres, on va suivre un processus qui est généralement assez invariant, quoi. C'est-à-dire les étapes et les dimensions par lesquelles on va passer dans ce cheminement vont différer d'un individu à l'autre, mais on va globalement tous passer par ce système-là. Alors, c'est Catherine Touré-Turgis, quand on a voulu travailler sur la conception de la première université des patients, dans laquelle on avait commencé par une formation en éducation thérapeutique, parce que c'était une opportunité de la société de faire entrer à la faculté de médecine des patients avec des professionnels de santé et des étudiants en sciences de la santé, qui avait un peu décrit de manière assez claire ce processus qu'on a mis avec l'équipe de Montréal en illustration pour bien faire comprendre la différence qu'il peut y avoir entre ce savoir et les tensions que ça peut créer avec le monde en fait, de la norme, le monde normal. Donc, quelqu'un qui sent qu'il a une rupture biographique, il sent une différence avec les autres ou il est atteint d'un trouble, il va d'avoir, dans un premier temps, avoir un désir de compréhension. Donc, le désir de compréhension, ça peut passer par, j'ai une crise schizophrénique ou on me diagnostique une maladie somatique, je vais peut-être me dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est un désir de compréhension. Il va avoir un désir de compréhension de qu'est-ce que c'est cette différence par rapport aux gens normaux ou par rapport à ma vie précédente, à partir du moment où cette différence impacte mon quotidien. Elle va être suivie par en fait un désir de savoir, d'apprendre à partir de ce développement. Et ce désir de savoir va en fait engager un désir vital, c'est-à-dire un désir de vivre et d'être. Alors, ce désir, il peut être un désir qui se transforme en « je veux vivre comme avant » ou alors d'intégrer en fait cette différence pour pouvoir en fait produire quelque chose qui me fait avancer. Alors, les gens qui veulent vivre comme avant, qui ont une maladie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique, en fait, ils sont très peu étudiés. Pourtant, c'est une grande partie de la population quand même. Et je le dis parce qu'en fait, comme je sais qu'il y a des chercheurs là, ça serait intéressant aussi d'ouvrir sur... Alors moi, je travaille avec un anthropologue qui travaille sur ce sujet, mais il est un peu tout seul dans le domaine. Alors, peut-être qu'il va ouvrir un champ, mais... Et c'est aussi respectable que de vouloir se transformer avec la vie, avec la maladie. Pour moi, il n'y a pas d'orientation qui sont péjoratives ou qui sont... Et puis, un autre facteur qui est très important, c'est que quand la personne elle va apprendre et elle va cheminer avec sa vie avec, sa différence ou son problème de santé, elle va avoir la plupart du temps le désir de transmettre. Après, ce qui va faire la différence, puis ça, je basculerai un peu plus tard sur comment en fait, accompagner cette émergence des savoirs, enfin, cette reconnaissance en fait, des savoirs expérientiels, on se rend compte que quand le cadre est favorable, la majorité des personnes qui vivent une différence à long terme ou qui vivent avec une maladie ont ce besoin, c'est presque un sentiment de nécessité de transmettre quelque chose à autrui.
Et voilà. Et donc, la confrontation avec le système tel qu'il fonctionne, tel que je l'ai décrit tout à l'heure dans ce système assurantiel où on veut que tout aille bien et qu'on est dans une société du bonheur, où on est performant, où on est, etc., etc., c'est que ce processus-là, on l'a mis avec, imagé avec plusieurs roues, c'est que ce n'est pas un processus linéaire. Le désir de compréhension, de savoir, désir vital et désir transmission, c'est un cheminement en fait, qui joue dans un rapport au temps qui peut être complètement bousculé, un rapport à l'espace qui peut complètement être bousculé, un rapport à l'autre qui est complètement bousculé, un rapport à l'altérité qui est modifiée, alors qu'il va se confronter à une organisation du système de santé, quand c'est le système de santé, mais de la société en général, qui est devenu un mode assez linéaire, lui, avec un processus protocolaire. Dans la société, on a de plus en plus de processus protocolaires. J'entendais ce matin quelqu'un qui parlait en fait, de la transformation du métier de caissière. Eh ben, la caissière, aujourd'hui, dans sa vie quotidienne, elle a des protocoles, alors qu'elle peut parler, il y a quelques années, elle pouvait parler de son métier en parlant de comment elle parlait avec les autres caissières, comment c'était un métier de relation, alors qu'aujourd'hui, on lui demande de dire bonjour, de sourire et de ne plus parler à ses collègues, etc., et de tout temporiser. Donc, on est dans une société qui, globalement, amène ça. Et ça crée vraiment une tension et une stigmatisation qui est accrue par rapport à ça. Donc, il faut bien être conscient de ce contexte général. Donc, des processus de désir de compréhension, de savoir et de désir vital et de transmission, en fait, sont développés la plupart du temps des savoirs expérientiels. Et c'est ces savoirs expérientiels, en fait, que moi, j'ai identifié en étudiant pendant 6 ans des patients qui socialisaient leur savoir. Excusez-moi. Des patients qui socialisaient leur savoir de 3 manières. Je les ai observés en situation, dans différentes situations, avec des patients qui avaient des maladies somatiques et des personnes qui avaient des troubles psychiques. Et puis, en les interrogeant sur comment ils percevaient leur socialisation de savoir, mais aussi sur leur propre cheminement intérieur, comment ils s'étaient construits ces savoirs. Et puis, la troisième source de données, c'est que quand ils socialisaient leur savoir dans un champ où il y avait de la littérature, j'allais lire en fait ce qui était écrit, donc ce qui était perçu sur la socialisation de ces savoirs. Et ça m'a permis en fait de développer un référentiel de compétences par lesquelles sont mobilisés ces savoirs expérientiels. Donc, j'ai identifié un premier bloc de compétences, principalement au travers des entretiens non directifs, compréhensifs et assez longs. Donc, 5 compétences qui sont se connaître dans la vie avec la maladie ou se connaître avec la différence, cette différence, comment j'apprends à gérer cette différence, comment j'apprends à me connaître moi dans les signes intérieurs et comment j'apprends en fait à voir le regard des autres et comment j'apprends à voir quelles modifications ça apporte dans ma vie. Comment mobiliser ces savoirs expérientiels? Qu'est-ce que j'apprends et comment je le mobilise? À développer sa résilience, parce qu'à partir du moment où on apprend à vivre avec, on développe des processus de résilience. Donner ou redonner un sens à sa vie à travers ses expériences. Élaborer un projet de vie. Alors, aujourd'hui, c'est un terme phare dans le management de la santé, d'élaborer un projet de vie. Mais moi, j'ai accompagné, par exemple, des personnes pendant un certain temps en fin de vie. Elles ont un projet. Quand elles sont dans un cadre favorable, elles ont un projet. Ça peut être, en fait, de partir avec l'accord de ses proches. Ça peut être tout ça pour dire qu'en fait, le projet de vie, ça peut être un grand mot, mais c'est des objectifs que se donne la personne qui ont un sens pour elle, qui donnent un sens à sa vie et à l'expérience du moment qui lui permet ça. Ça, c'est des compétences qu'en fait les patients peuvent mobiliser si le cadre est favorable, mais on pourrait extraire ça en fait du champ de la relation de soins et de se dire que ces compétences, elles sont mobilisables dans la vie sociale en général. Il y a un deuxième bloc de compétences qui permet justement de savoir, de socialiser les savoirs. Donc le premier, c'est faire preuve d'altruisme et là, on revient
vraiment à ce désir de transmission de la dernière roue du cycle identifiée par Catherine Toaturgis, se raconter de façon pédagogique dans le cadre de patients en fait, qui sont mobilisés dans l'enseignement, communiquer, je disais en introduction, nous sommes des êtres sociaux, mais donc ça nous demande de communiquer, et alors souvent on me dit, oui, mais on me fait face par rapport à ça, à la littératie. J'ai monté un programme au Québec avec des gens qui étaient à la rue autour de l'éducation thérapeutique, où on utilisait des personnes qui n'avaient soi-disant pas d'éducation et qui développaient aussi bien des savoirs expérientiels. J'étais dans un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation où on essayait de regarder comment calculaient les analphabètes dans des sociétés dites primaires. Ben, en fait, ils sont capables de communiquer, ils sont capables de développer des moyens de compter, de faire tout un système de trucs qui ne sont pas lisibles dans notre société, mais qui sont tout aussi valables que ce que nous avons construit. Donc, être réflexif et transmettre, qui est un point assez important pour développer ces savoirs expérientiels. Et puis, la plupart du temps, les gens qui ont été touchés dans leur humanité ont une capacité d'écoute qui est différente. Tout à l'heure, quand Lise parlait, je pensais à Sébastien, un chercheur avec qui... quelqu'un qui avait des troubles psychiques, avec qui j'ai beaucoup collaboré dans une recherche-action en santé mentale entre 2005 et 2010, dans un projet qui s'appelait Emilia. Et l'idée, c'était de voir avec les personnes qui avaient des troubles psychiques, qui avaient eu de nombreuses hospitalisations et qui avaient un suivi médical quand même assez important, comment les emmener à l'empowerment et quel impact ça aurait sur leur nombre d'hospitalisations, ça c'était la commande de l'Union européenne, le nombre de médicaments pris, le nombre de consultations. Et l'idée, c'était de voir quels étaient les besoins de ces personnes-là et de construire des espaces de formation ou des espaces qui leur permettent de cheminer vers l'empowerment. Et donc, dans le nombre de choses qui ont été identifiées, moi, j'étais là comme patient formateur j'aidais à construire les formations. Et quand on faisait les formations, Sébastien m'était utile à chaque plage et à chaque séquence parce que lui percevait des choses que j'étais incapable de percevoir. Et donc, à chaque fin de séquence, je passais quelques minutes avec lui et il me donnait son sentiment sur comment ça se passait au niveau de l'ambiance, au niveau est-ce qu'un tel ou un tel avait un moment de décrochage. Et donc, c'était des choses que j'étais incapable, moi, de percevoir. Alors peut-être parce que j'étais dans l'action, mais aussi parce que je pense que je n'avais pas la même sensibilité de lui. Et ça démontre pour moi la complémentarité de savoirs d'expérience qui ne sont pas forcément des savoirs que tout le monde peut avoir. Donc, voilà. Et puis après, il y a un cinquième bloc de compétences qui sont utiles plus pour l'organisation, aider à un niveau plutôt méso et macro, qui sont mobilisés, ces expériences socio-professionnel, alors ça peut être aussi social et pas nécessairement que professionnel, parce que toutes les personnes qui ont des problèmes de santé ne sont pas dans le monde professionnel, dans la perspective de la personne qui vit sa différence ou qui est patient. Assumer un co-leadership, accompagner un individu ou un groupe, donc là c'est vraiment un moyen très important. L'éducation par les pairs, elle a été quand même démontrée comme d'une efficacité très pertinente en général dans la vie avec la maladie et la vie avec des différences. Analyser des situations relationnelles à différents niveaux de complexité. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Sébastien, mais Sébastien, c'était quelqu'un qui était capable d'avoir une analyse de niveaux de complexité qui m'étaient inconnus. Et tisser et entretenir des réseaux. Donc, ces compétences sont des compétences par lesquelles, dans lesquelles sont mobilisés un nombre de savoirs expérientiels considérables. Alors, donc en fait, j'ai un peu répondu, je crois, à la question et elle rejoint celle de la réponse de Lise. Je pense qu'effectivement, il y a des différences, mais globalement, il n'y a pas de différence entre les savoirs expérientiels développés par les patients qui ont des troubles psychiques et ceux qui ont des troubles biologiques ou somatiques. Il peut y avoir quelques aspects, mais les grandes lignes, mais je l'ai identifié au travers du référentiel de compétences, en fait, les grandes lignes sont, euh,
sont les mêmes. La manière de procéder pour y arriver sont les mêmes. Et, comment on peut favoriser l'émergence, la diffusion et le développement des savoirs expérientiels en santé mentale? Bah, en prenant le virage du rétablissement, je pense que c'est une bonne notion. Et un des moyens, c'est effectivement... alors, moi, j'avais décrit ça dans toute la première partie de ma thèse et puis j'avais laissé tomber parce que de là où on en était donc, au début des années 2010, là, de la dernière décennie, si on voulait accompagner le système de santé vers des changements, il ne fallait pas changer le terme de patient. Mais le terme de patient, il va falloir le laisser tomber. Et c'est ce que fait en partie, je pense, le virage du rétablissement dans énormément d'environnements petit à petit. Et donc, pour ça, il est pionnier, on pourrait dire. En cartographiant les savoirs et leur champ d'action et en les communiquant. Je vais vous donner quelques cartes et quelques exemples que j'ai utilisés juste derrière. En démontrant les complémentarités de ces savoirs expérientiels avec les autres formes de savoir. Et là, moi, je le fais dans le champ dans le champ du système de santé, mais ça peut aller au-delà. En fait, l'exemple que j'ai donné de Sébastien, il pourrait être utile dans plein d'autres types de formations. Les formations qu'on faisait, ce n'était pas forcément des formations par rapport au système de santé, parce qu'on a appris à essayer d'aller identifier avec des géographes si, en fait, il y avait des lieux qui étaient plus insécures par rapport dans la ville, avec des gens qui avaient des troubles psychiques par rapport à des gens qui n'en avaient pas. Donc, ça dépasse largement le champ de la santé tel qu'on le comprend aujourd'hui. D'ailleurs, tout ce qui est social, pour moi, participe au champ de la santé, et ce n'est pas comme ça qu'on l'a catégorisé dans notre société, quoi. Même si aujourd'hui, on a un ministère des Affaires sociales et de la santé. Donc, en éclairant et en démontrant la complémentarité des savoirs expérientiels, en favorisant le questionnement dans la population en général et les organisations sur la différence et sur les possibles, couvre également la vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, on le considère dans notre société comme discriminante parce que c'est en fait un manque. Et c'est vrai que ça n'est d'un manque. Mais souvent, si on est attentif et si on crée le contexte, de ce manque naît des solutions. L'être humain, la vie en général, est une source de créativité qui est inhibée par le commun. Et en fait, de cette vulnérabilité naît une hypersensibilité qui permet d'avoir un autre grain de lecture du monde et une autre manière d'agir. Et quasiment dans tous les cas, moi j'ai eu un oncle qui a eu la poliomyélite à 5 ans. Alors on peut se dire, bah, il est sur une chaise roulante et puis il est hyper handicapé. Mais je peux vous dire qu'il a développé énormément de choses que nous n'avons pas développées. Donc, et dans les troubles psychiques, c'est la même chose. L'exemple de Sébastien que j'ai donné tout à l'heure est un exemple. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'activités avec un ancien médiateur de santé pair qui a été formé avec Jean-Luc à la première formation, et donc formation qu'a étudié Lise par la suite, enfin, pas que la formation, mais tout l'impact général. Parce que je participais aux intervenants dans le cadre de cette formation. Et je peux vous dire qu'il a une analyse qui est utile. Là, en ce moment, il est dans une des formations que j'ai co-conçue avec l'équipe de Nice sur l'art du soin en partenariat avec le patient. À chaque fois, il nous montre des perspectives que la majorité des autres acteurs, qui sont des professionnels de santé, des étudiants en sciences de la santé, des patients et des proches, ont exprimé sur des sujets. À chaque fois, il complète la perception, mais d'une manière magistrale. Quoi. Donc, voilà. Je vous donne un exemple. Je vous disais que ce qui était important, c'est de cartographier. Alors, on l'avait fait dans la première formation. Je ne sais pas si vous en avez suivi, là, au travers des mémoires sur les savoirs expérientiels. Mais là, je vous donne un exemple. On a monté un bureau il y a un an de la manière dont des patients socialisent des savoirs. Alors, nous, on a deux modes d'intégration des patients, ou alors ils passent par une formation avec des professionnels de santé et des étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure, ou alors on fait un recrutement à partir du référentiel de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on peut dire que recrutement, c'est un mot qui est violent parce qu'on peut se dire, ben voilà, mais on recrute, c'est un peu le monde actuel où on trie les gens. Mais si on recrute des patients par rapport à leur savoir expérientiel et à leurs compétences, c'est aussi pour ne pas les mettre en situation d'échec. On les met dans des situations
dans lesquels ils vont pouvoir être utiles, avoir un sentiment d'utilité, gagner en estime d'eux-mêmes. Et s'ils ne sont pas prêts, on va les mettre dans le bassin des activités qu'on mène, qui vont de l'éducation citoyenne jusqu'à la formation, jusqu'à différents modes de formation. À savoir que nos formations ne forment pas, en fait, elles permettent de mettre en lien des personnes qui vont révéler leur propre savoir expérientiel. S'ils les acquièrent, ce n'est pas du fait de ce qu'on leur apprend, mais du cadre qu'on propose. Et ça, c'est vraiment une des solutions pour faire émerger ces savoirs expérientiels et aussi travailler sur les discriminations. Si je reprends quelques activités du champ d'avant, ce qu'on peut regarder, c'est à quel niveau ils sont utiles. Est-ce qu'ils sont utiles pour la personne, pour elle-même? Est-ce qu'ils sont utiles dans la relation interindividuelle? Est-ce qu'ils sont utiles pour l'organisation? Est-ce qu'ils sont utiles pour les politiques publiques? Et puis là, je parle de clinique, mais quand on parle de clinique, souvent on pense au monde médical, mais la clinique, ce n'est pas forcément que dans le monde médical. La clinique, c'est comment on observe une activité. Donc, c'est comment on observe et quelles connaissances on tire d'une activité. Un autre moyen, là, je prends un exemple qui a été utilisé dans une enquête européenne sur le patient partenaire, mais on pourrait changer les indicateurs. Et ben, c'est de faire un tableau comme ça et de voir où sont utiles ces savoirs. Ça, c'est une manière de rendre lisible et d'avoir un argumentaire et de pouvoir après affiner ses moyens de communication pour faire savoir l'importance de ces savoirs expérientiels dans la société et pour l'être humain. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je finirai sur un mot de Serge Moscovici, qui était un peu un des créateurs de la psychosociologie, qui disait, après de longues études, les déviants d'une société, en parlant de déviants, c'est des gens qui sont différents en fait, de la norme, hein, parce que pratiquant des usages encore bien souvent inhabituels, sont des moteurs d'innovation qui initient souvent les usages de demain. Et je pense, moi, et je pensais très fort quand on a commencé la formation avec Jean-Luc Roland sur les médiateurs de santé pair en 2012, qu'il y avait quelque chose à apprendre dans une société qui est en forte mobilité d'activité, avec des gens qui vont plus travailler tout au long de la vie sur le même métier, enfin tout ce qu'on nous raconte là, de prendre justement des médiateurs de santé pair et voir ce qu'ils font, parce qu'ils doivent s'adapter plus que les autres. Et donc ça a vraiment une capacité d'apprentissage. Je finirai sur un travail qu'on voulait mener avec Jean-Luc, avec Jean-François Pelletier, qui est un chercheur au Québec, quand j'étais au Québec, et qu'on est en train de reprendre sous une autre forme avec le Centre national ressources et résilience. On voulait en fait essayer d'identifier des compétences de citoyenneté avec les usagers de la santé mentale, parce que souvent ils ont été privés de citoyenneté. Et c'est les mieux à même de savoir l'importance et la nécessité de les identifier. C'est juste pour vous donner des possibles par rapport à ce qu'on considère souvent comme une vulnérabilité handicap, ce qui pour moi n'en est pas un. Voilà, je vous remercie. Et ben, merci Luigi et Lise pour ces deux exposés. Donc, je laisse la parole maintenant à Déborah et à Wendy pour animer le débat. Oui, merci beaucoup pour ces présentations, ces exposés très riches. On a eu une question dans le chat sur la mise à l'écart, en fait, dont vous avez parlé, que ressentent sans doute toutes les personnes qui sont qui ont un problème de santé, qu'il soit physique ou psychique. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée-là, parce que pour vous, il y a quelque chose d'effectivement commun entre le fait d'être mis à l'écart parce qu'on souffre d'une pathologie, de quelque chose de physique, et ce sentiment aussi de mise à l'écart dont parle beaucoup d'usagers de la psychiatrie. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des choses en commun, ou est-ce que malgré tout, il y a quelque chose de spécifique quand même en psychiatrie? Ce sentiment d'être un peu chosifié peut-être aussi, ou réifié, je ne sais pas. Je veux bien répondre. Je réponds ? Oui. Je pense que, alors, dans votre question, il y en a deux. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on est mis à l'écart dès qu'on est malade ?
Alors, je dirais que c'est parce qu'il y a un phénomène social global très puissant qui est la valorisation de la santé. Bon, il y a un livre qui a été écrit par Lucien Sfez, qui est déjà un livre relativement ancien, où il disait « La santé, c'est le nouveau salut ». Le mot « salut » est très fort, hein, c'est un terme quasiment religieux. La santé est de l'ordre d'un nouveau sacré, d'une certaine façon. Il faut absolument être en bonne santé et les entreprises pèsent beaucoup là-dessus. Hein, les entreprises stigmatisent les gens dont les performances diminuent. La dépression dans le monde du travail, la dépression est stigmatisée. Donc il y a vraiment une morale du l'entrepreneuriat de soi, être entrepreneur de soi, être heureux, être en bonne santé, trouver le bien-être, être autonome. Hein, donc c'est aussi décrit par très bien dans les livres d'Ehrenberg, la valorisation de l'autonomie individuelle et dans l'entrepreneuriat de soi. Dans notre société. Voilà, alors ce contexte social global, valorisation de la santé, valorisation du bien-être, valorisation de l'énergie, de l'autonomie, etc., pèse bien sûr sur tous les gens qui sont en défaillance par rapport à cet idéal et qui du coup se retrouvent stigmatisés parce qu'ils ne sont pas dans la norme de santé qui est devenue très haute. Alors, votre deuxième question, c'est pourquoi est-ce que dans le rapport aux institutions de santé, on peut se sentir chosifié? Alors, je dirais que là, il y a, je dirais pour ne pas accabler les soignants sont eux-mêmes l'objet de pression de type rationalisateur. De pression, de rationalisation à la fois gestionnaire d'une part, mais aussi de rationalisation pratique. Et dans certains lieux, ces rationalisations, qui prennent la forme de protocoles, par exemple, aboutissent à des formes de déshumanisation des relations, aboutissent au fait que la singularité de l'usager du système de santé n'est plus prise en compte parce que il faut aller vite, d'une part, hein, et d'autre part, il faut uniformiser les pratiques. Il y a une très forte pression à l'uniformisation des pratiques. Et bon, moi, je ne suis pas contre uniformiser si c'est uniformiser autour de. Par exemple, on me dirait, bon, tout le monde doit appliquer la philosophie du rétablissement, pourquoi pas? Mais c'est quelque chose de plus précis que ça, quoi. Ça rentre dans le détail de pratique, uniformisé, standardisé, protocolisé. Et là, si on ne respecte plus la singularité des patients, on les chosifie. Voilà ce que je répondrai à votre question, à votre double question. Merci pour ces précisions. Compléterait, si je peux me permettre, par un processus dont on parle peu. Et je suis content parce que j'étais à une conférence avec Jean-Yves Jourdana dans le sud de la France là, il y a 15 jours où il parlait d'un processus qui était important. Il ne faut pas négliger que quand on est différent, on a soi-même un processus d'auto-discrimination. On s'exclut soi-même, quoi. Que ce soit pour une maladie physique ou une maladie psychique, on passe par ce processus aussi, quoi. Et donc, c'est important d'œuvrer aussi sur ça. C'est comment arriver à pas rester là-dedans. Par exemple, nous, on va proposer la semaine prochaine de passer par en fait des ateliers de caricature. Comment en fait se regarder autrement, mais en y mettant en fait une espèce de voile en fait d'humour sur soi-même. Alors, je ne sais pas, on va l'expérimenter, je ne sais pas si ça va être. Mais en fait, c'est d'essayer de trouver des trucs comme ça. Et puis, Lise a parlé dans la fin de sa présentation dernière de l'art. L'art est vachement important pour ça, pour toucher le sensible et arriver à ça.
Et puis après, je vous enverrai par rapport à quand même, moi, l'année dernière, il y a un auteur qui m'a énormément interrogé parce qu'il reprend en fait la philosophie d'une description de Hannah Arendt, une philosophe, et puis il a étudié en fait le parallèle entre la société du management dans laquelle on est entré et puis les techniques du bonheur du système nazi. Et en fait, il y a ça. Ça a un impact très fort. Et donc, il y a vraiment cette dimension-là qui est... voilà. Et après, par rapport aux médecins, aux professionnels de santé en général, il ne faut pas oublier qu'on leur demande pendant toutes leurs études d'une part d'objectiver, ce qui est déjà un voile. Donc, c'est un contact qui fait que... voilà. Et puis, je me rappelle, il y a 2 ans, là, j'étais à une soutenance de thèse avec un grand pédagogue en médecine qui disait que... alors, ça, c'est plus pour les médecins. Et puis, je ne le dis pas dans le terme de les accuser de quoi que ce soit. Ils sont aussi prisonniers d'un système de formatage, de préformatage, où ils disaient que la France était le seul pays qui continuait à mener l'interrogatoire pendant les études médicales. Mais qui dit interrogatoire dit qu'en face, il y a un suspect. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, on a besoin d'objectiver. Donc, il y a tout un système de compréhension qu'il va falloir révolutionner dans l'enseignement même des professions de santé. Puis après, il y a tout ce travail sur les organisations qui font que, effectivement, voilà. Et puis, il y a ce fort impact, comme le disait très bien Lise, en fait, de cette société du bonheur qui est érigée comme une norme et effectivement, avec la symbolique qu'a exprimée Lise. Merci beaucoup. Déborah. Oui, effectivement, il y a d'autres questions qui sont un peu arrivées au fil de l'eau sur le chat dont on va se faire le relais. Il y a une autre question qui concerne peut-être plus directement la définition des savoirs. C'est quel lien ou différence faites-vous entre savoir expérientiel et apprentissage en situation informelle? Et la personne précise que ce qui l'intéresse dans cette question est de comprendre comment les acteurs du champ de la santé mentale favorisent ou freinent l'acquisition de connaissances dans les différentes organisations traversées par les personnes étrangères à ces environnements. Donc la différence entre savoir expérientiel et apprentissage en situation informelle. Je peux répondre en tant que prof de sciences de l'éducation en premier, Lise. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, c'était dans le laboratoire de Philippe Carré, donc qui travaille beaucoup sur la formation, qui est un laboratoire à Nanterre, j'avais entendu ça. Et puis j'ai recherché il n'y a pas longtemps, là, parce qu'il y avait des publications. Dans le monde, en fait, 80% des apprentissages se font dans le monde informel. Ça ne veut pas dire que les 20% qui sont faits dans le cadre de ce qu'on apprend à l'école ou dans des ateliers organisés ne sont pas importants, mais ça veut dire que c'est une toute petite part des savoirs acquis. Donc, le monde des situations d'apprentissage informel, c'est vraiment considérable et c'est là qu'en fait s'organise. C'est là qu'on vit notre quotidien, en fait. Notre quotidien, il s'organise là-dedans, quoi. Ça. Il y a un rapport qui est un rapport où, vous savez, il y a Angela Coulter, qui est une chercheure en senior en Angleterre, qui a fait une étude longitudinale auprès de malades chroniques, alors que ce soit somatiques ou psychiques. Et elle a fait une analyse qui conclut que un malade chronique passe entre 5 à 10 heures avec des professionnels de santé dans une année en moyenne, et selon ça ou ses pathologies, lui et ses proches fournissent jusqu'à 6250 heures de soins, qui a un rapport de à peu près 98% à 2%. Les savoirs en situation informelle, c'est pas 98%, mais c'est facilement 80%. Donc voilà. Et c'est pour ça que monter des espaces, comme on a suggéré Lise, où en fait on peut se retrouver pour être un cadre favorable à exprimer en fait des choses, permettre de développer cette réflexivité et de mettre à jour ces savoirs expérientiels. J'ajouterai une petite chose sur l'apprentissage
informel organisé. L'apprentissage informel organisé, ça existe dans certains lieux. Par exemple, à l'école, la pédagogie Freinet, on peut dire que c'était une pédagogie de l'apprentissage informel organisé. C'est-à-dire qu'au lieu de transmettre des savoirs de manière magistrale, on créait des situations de telle façon que les enfants puissent apprendre, donc de façon informelle. On peut aussi imaginer ça au niveau d'une formation en entreprise. Au lieu de transmettre de façon magistrale des savoirs, on attend qu'ils émergent des situations. Alors, est-ce que ces situations d'apprentissage informel organisé existent dans les établissements de santé mentale? Je dirais parfois, mais alors très rarement, mais je crois que je n'ai observé ça que deux fois, c'est-à-dire des endroits où consciemment, on organisait quelque chose, une réunion, pour que des savoirs informels d'usagers de la santé mentale puissent émerger. Bon, il y a ces réunions hebdomadaires usagers soignants que j'ai observées, qui étaient extraordinaires, et où il y avait vraiment une émergence collective de savoir expérientiel. Ah, ce n'était pas du tout comme quelqu'un l'a écrit dans le chat, ce n'était pas ce type de réunion où on dit « t'as mal essuyé la table », etc. C'était vraiment beaucoup plus, bien meilleur niveau. Et là, on avait vraiment, donc on pourrait dire ça, un apprentissage informel organisé de savoir expérientiel. Je dirais que c'est extrêmement rare. Il y a très peu de pôles de psychiatrie qui pratiquent ça. Par contre, ce qu'on voit partout, alors, que ce soit en santé somatique ou en santé mentale, on voit de l'émergence de savoir expérientiel. Et ça, de toute façon, les soignants ne peuvent pas empêcher, et heureusement, ils ne peuvent pas empêcher l'émergence de savoir expérientiel. Elle est spontanée. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. On a souvent eu dans le collectif et puis de manière générale des questions sur le stigma. Vous avez parlé tout à l'heure, Lise de Mailly, du fait qu'il y ait, que pour vous, conceptuellement, le savoir expérientiel et en santé mentale est le même qu'en santé physique. À ceci près qu'il y a le stigma peut-être, qui, en tout cas l'expérience de la stigmatisation rend les choses un peu plus compliquées. Souvent, les usagers en santé mentale relèvent ce problème de stigmatisation. Est-ce que d'après vous, la lutte contre le stigma doit être prioritaire pour la reconnaissance des savoirs expérientiels? Est-ce que c'est le levier prioritaire ou un des leviers prioritaires? Je pose la question à tous les deux. Hein, mais... Je crois que c'est un obstacle central, quoi, à l'émergence des savoirs expérientiels, cette stigmatisation de l'usager en psychiatrie et dans certaines maladies somatiques. Hein. Je disais que finalement, on retrouvait aussi la stigmatisation du côté des maladies somatiques, pas toutes, alors qu'en santé mentale, je dirais que c'est assez c'est général. Voilà, c'est un problème, c'est un obstacle à l'émergence des savoirs expérientiels et à leur reconnaissance, à leur prise en compte. Je prends un exemple, je me prends moi en tant qu'exemple. Je discute avec un médecin, il me dit « vous prenez tel médicament à 19h ». Je lui dis « non, si je le prends à 19h, c'est trop tard, il faut que je le prenne à 16h ». Je le sais. On est en santé somatique. Et puis je suis têtue, le médecin me dit « bon, d'accord, vous le prenez à 16h ». En santé mentale, c'est beaucoup plus difficile parce que si un patient commence à discuter des médicaments avec un médecin, il a du mal à faire reconnaître ses savoirs expérientiels. Pourquoi? Parce qu'il est présumé aliéné. Il est présumé
pas raisonnable. Donc, on ne prend pas en compte ces savoirs expérientiels. Donc, la stigmatisation est bien un obstacle à la reconnaissance des savoirs expérientiels par la médecine. Alors, je rajouterai à ça, j'adhère complètement à ce que dit Lise, j'ajouterai à ça le fait qu'il y a, dans les savoirs, il y a des enjeux de pouvoir. Et aujourd'hui, notre société elle est dominée par les enjeux de pouvoir. Et en fait, ce que j'expliquais dans ma thèse, c'est que dans la santé, on pourrait essayer de dépasser ça, pas en enlevant les enjeux de pouvoir, parce que c'est impossible, mais en mettant vraiment les enjeux de savoir pour le bien commun de l'avancée pour les êtres humains et les organisations. Alors qu'aujourd'hui, enfin, pour moi, la pandémie, elle est caricaturale des failles de notre société. C'est-à-dire qu'on s'inquiète plus, on dit qu'on s'inquiète des Français, mais on s'inquiète surtout que le système de santé français s'écroule, enfin, que l'organisation des soins s'écroule. C'est ça la priorité aujourd'hui, parce qu'il y a 300 à 400 morts par jour. Donc, je fais juste un détour pour revenir sur le sujet. Et que globalement, dans cet enjeu de pouvoir, et particulièrement encore en France, les gens qui ont acquis des connaissances à travers des diplômes ne sont pas tellement d'accord pour que des personnes qui viennent avec des savoirs expérientiels, qui sont indéfinissables pour eux, parce qu'ils ne sont pas passés par des trucs, en fait, et là on revient sur la question de la norme. Hein. J'ai fait une formation avec un truc reconnu, lui il arrive avec des trucs qui sont plus incertains, et là il y a des enjeux de pouvoir qui sont importants, et ça participe aussi en fait, à freiner ça et à préserver des modes de discrimination par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos retours. Il y a deux personnes qui nous posent des questions aussi sur un sujet qu'on n'a pas encore directement abordé, que sont les savoirs expérientiels des proches, des familles et des aidants. Donc, il y a un peu de questions. C'est déjà de savoir, quand on parle des savoirs expérientiels, quid des savoirs expérientiels des aidants, des proches et aidants, et aussi de quelle manière les savoirs expérientiels des proches et aidants peuvent être également considérés et valorisés, pris en compte. Alors, dans le modèle dont a parlé en introduction Jean-Luc Roland, là, qui est le modèle du partenariat soins avec le patient développé à Montréal, en fait, les proches font partie en fait des patients. Il y a un terme générique de patient, pas parce que c'est une transformation du système de santé, mais les proches sont importants. Ils ont une lecture en fait du système de santé qui est aussi très très claire, par exemple, mais aussi de toutes les tâches d'accompagnement qui sont possibles. Ils peuvent être des repères en cas de crise. Quand tout à l'heure j'ai parlé de la recherche action Emilia, on avait essayé de voir avec les patients co-chercheurs, enfin, les personnes vivant avec des troubles psychiques qui étaient co-chercheurs avec nous, comment ils pouvaient essayer d'identifier quand ils commençaient à partir en crise. Et un des moyens, à partir du moment où il y a des choses qu'ils n'identifiaient pas eux, c'était leur environnement. Et donc, il y a un travail d'identification et de sensibilisation à faire et de prise en compte au fait de leur savoir expérientiel, avec quand même parfois une difficulté parce que les relations peuvent être aussi toxiques. Mais ça n'empêche pas qu'il faut regarder ça de manière très, très fine pour pouvoir en fait les rentrer dans la danse. Parce que effectivement, tu sais, moi je le fais moins actuellement parce qu'il y a la pandémie, puis je le faisais beaucoup au Canada. En fait, quand je suis devant un parterre de personnes, je demande qui est concerné. Donc, en général, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà directement concernés selon le contour qu'on donne. Et puis on dit, si j'ajoute à ça, qui a dans sa famille ou envers ses amis proches quelqu'un qui est concerné par une maladie psychique ou par une maladie chronique? Mais c'est quasiment toute la société qui lève la main aujourd'hui. Donc, ça, c'est un moyen fort de discriminer, se rendre compte que tout le monde. Je m'arrêterai là-dessus, je me rappelle de Patrick Cardinal, le cardinal qui a travaillé avec le CCOMS, je ne sais pas s'il travaille encore avec le CCOMS, qui, lors d'une une journée sur la pérédance, justement des proches et des familles, la pérédance bénévole à la pérédance professionnelle, était intervenu en demandant dans la salle Larocque, une salle du ministère,
qui en fait vit avec un trouble psychique et qui avait demandé, il avait dit, moi je suis un professionnel de santé qui vit avec un trouble psychique, qui vit avec un trouble psychique dans la salle? Et c'était impressionnant parce que le cadre avait été favorable et il y avait un nombre de professionnels qui avaient levé la main considérable. Donc voilà. Pour moi, les aidants, la famille, ont des savoirs expérientiels, je dirais, quasiment professionnels. D'une certaine façon, comme ils ont un contact long avec la personne malade, ils en savent d'une certaine façon beaucoup plus que les soignants occasionnels qui viennent faire une visite. Ils ont le temps d'apprendre tout ce qui concerne des microdynamiques du trouble dans la quotidienneté. Donc, ce sont des savoirs, je dirais, ce sont des savoirs quasi professionnels. Mais d'un autre côté, donc ça, ce qui est compliqué, en même temps, les aidants sont souvent eux-mêmes en souffrance. Parce que c'est extrêmement dur d'être aidant. C'est extrêmement dur, c'est lourd à supporter, et eux-mêmes sont en souffrance. Pour les soignants, je pense que c'est que le rapport aux familles est quelque chose de complexe, parce qu'il faudrait à la fois les reconnaître comme membres du système de soins, hein, quasiment, oui, membre du système de soins, quasi professionnel, et en même temps ne pas oublier qu'ils sont eux aussi forcément en souffrance. Je voudrais ajouter à ça que quand même, par rapport aux aidants, en général, hein, pas que pour les troubles psychiques, mais l'Union européenne comptabilise hein, le coût pour la société, c'est-à-dire... Je me rappelle, j'avais sorti un truc, c'était 24 000 euros par an à l'époque d'économie pour la société. Le rôle des aidants dans le cadre des maladies, toutes maladies confondues. Quoi. 24 000 euros, c'est un revenu que n'ont pas tous les salariés aujourd'hui en France par an. Merci pour ces précisions. Du coup, je rebondis. Luigi Flora, vous avez parlé de l'expérience québécoise et aussi vous avez débuté, je crois, l'intervention par citer l'Angleterre. Alors, l'idée de nous écrire nos livrables aussi pour l'OMS et d'un peu essayer de savoir ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous avez d'autres expériences de ce qui se fait à l'international sur la reconnaissance ou l'enseignement, la diffusion des savoirs expérientiels des personnes concernées, usagers, aidants? Est-ce que vous avez d'autres exemples qui seraient intéressants dont on pourrait bénéficier? Moi, non. Mon expérience, elle est principalement... au Québec, un tout petit peu en Suisse et en Belgique, mais je trouve qu'il y a des... Par exemple, pour la discrimination, au Québec, il y a un super réseau, alors c'est pas en santé mentale, mais il y a un super réseau qui est un réseau de gens qui peuvent se connecter entre eux pour pas rester, qui peuvent travailler sur l'autodiscrimination, par exemple, ou sur justement le mal-vivre de la discrimination. Et ça a un intérêt de pouvoir parfois échanger avec des gens avec qui on peut avoir une certaine intimité sans qu'ils soient dans notre quotidien. Quoi. On a un système en France hein, qui est surutilisé par le début de la pandémie, parce que je vous cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément de troubles psychiques et qui commencent à les avoir du fait du confinement qu'on vit depuis un certain temps et du anxiogène. C'est le système SOS Amitié. Hein. On peut en penser ce qu'on veut, mais ils sont en ce moment, ils sont très importants. Et que fait SOS Amitié? C'est une écoute bienveillante de gens qui ne se connaissent pas.
Donc voilà, après, ce que je trouve intéressant, par exemple, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais ce que je trouve intéressant aussi par rapport au modèle de développement des médiateurs de santé pair, c'est d'avoir un système qui soit pas où la personne elle est pas, elle a pas de lien hiérarchique avec l'établissement de santé, par exemple, ou avec le réseau. Il faudrait avoir un système de coopératif, ce qui se construit dans d'autres pays, un système de coopératif qui fait que les établissements qui veulent mobiliser des médiateurs de santé pair, alors là, je passe par le côté médiateur de santé pair professionnalisé, mais ce sont des moyens de travailler justement sur les problèmes de stigmatisation, selon moi. Et où, en fait, il fait appel, comme une espèce de portage salarial, quoi, fait appel à une organisation, et le médiateur vient, et ça lui permet de garder une certaine, d'avoir cette action, mais de garder, de ne pas être mis sous contrainte et de ne pas être instrumentalisé. Ce qui est bon pour la santé du médiateur de santé pair, et ce qui peut être bon parce que ça réorganise en fait la vie dans les établissements de santé ou dans les réseaux. Il n'y a pas que les établissements de santé. Aujourd'hui, il y a toute la vie en réseau. Vous savez, hein, il y a énormément de personnes qui ont des troubles psychiques qui ne passent pas par les institutions, quoi. Je veux juste ajouter un mot. Sur les médiateurs de santé pair, je comprends bien l'intérêt d'avoir des médiateurs de santé pair qui soient en quelque sorte des travailleurs libres extérieurs à l'institution, mais je défends aussi l'existence de médiateurs de santé pair salariés par l'institution parce que ils introduisent une contradiction dans l'institution. Et ça, c'est une fonction aussi intéressante. Alors, c'est une fonction difficile, hein, ce qui fait qu'il y a un certain nombre qui ne tiennent pas le coup, parce qu'ils aimeraient mieux finalement être, comme le dit Luigi, embauchés par une autre instance que par l'institution. Mais ceux qui tiennent le coup sont vraiment des moteurs de changement de l'institution, là où ils réussissent à tenir. Et puis, un autre point sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est le rôle, alors étonnant, actuellement, d'associations comme SOS Amitié, qui reçoit dans ses appels à peu près un tiers d'usagers de la psychiatrie, hein, ce qui est énorme, et qui joue un rôle d'écoute bienveillante interstitielle, hein, entre deux visites d'infirmiers psychiatriques, on appelle SOS Amitié et ça joue, cette écoute bienveillante joue un rôle tout à fait positif. Je voudrais rajouter un point, ça me revient, alors, j'ai plus le nom malheureusement du professeur qui fait ça, mais à Montréal, il y a un professeur je vais retrouver le nom et puis je vous le recommuniquerai, qui est à McGill. Et lui, donc McGill, c'est un grand établissement qui a des moyens quand même assez importants, parce qu'en anglophone, avec tout le système des mécénats et tout. Et il travaille, lui, avec de placer justement un peu dans l'orientation des aides, des consultants à partir de leur savoir expérientiel dans les communautés. La vie communautaire est importante au Québec, mais en fait, elle est aussi importante en France, sauf qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là parce que tout de suite, c'est un enjeu politique, quoi. Et en fait, quand les gens veulent apprendre à faire quelque chose ou quand ils veulent aller dans une direction, ils prennent, lui, il a un groupe, une communauté en fait, de gens qu'il appelle en fait, des conseillers ou je ne sais plus comment. Et en fait, ils viennent aider à mettre en place des choses dans un quartier, au sein d'une association, au sein de... Et ça, c'est un moyen que je n'ai... Il me semble pas que j'ai pu voir ça en France de manière organisée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui montent leur société et qui font des trucs, quoi, mais il n'y a pas de système comme ça, à ma connaissance. Voilà. Ça, c'est un moyen très puissant de modifier la vie de quartier, les représentations...
Je pense que Jean-Luc doit le connaître, ce professeur. Merci beaucoup pour ces réponses et éclairages. On vous propose de poursuivre parce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Alors je vais essayer de faire le relais un peu de questions mixées. Il y a aussi un élément quand on parle des savoirs expérientiels qu'on n'a pas évoqué. Alors, au risque d'être un peu provoque, vous avez parlé de la socialisation, du partage de ces savoirs-là, des espaces collectifs de partage des savoirs expérientiels. Et du coup, quid de la façon ou de la possibilité dont ils seraient susceptibles de s'enseigner, et quid de la possibilité ou pas de les évaluer. Est-ce que du coup, qui dit expérience de vie, savoir expérientiel, dit non éligible à l'évaluation? Enfin, ce sont deux sujets très différents. Et donc voilà, je me fais le relais de cette question-là parce qu'il y a aussi des questions sur comment on évalue parfois la pertinence. Alors, c'est notamment une question qui a été posée pour le travail des MSP, mais est-ce qu'on peut évaluer la pertinence du, alors là notamment ce qui est énoncé, c'est de l'esprit critique, je lis la question, hein, du MSP sur son savoir expérientiel dans une logique d'horizontalité, mais donc du coup ça pose la question un peu en chaîne de la question de l'évaluation et aussi de la façon dont ils sont susceptibles de s'enseigner ou de se transmettre. Je pense aussi notamment à l'intervention des usagers formateurs, usagers enseignants. Souvent, il nous est dit que la façon qu'ils ont d'intervenir, c'est plus le vecteur du rétablissement, c'est le fait qu'ils incarnent le rétablissement, qu'ils peuvent en parler. Mais est-ce que vraiment ils s'attachent à dire quelque chose des savoirs expérientiels dans le sens où ils l'enseignent? Ça me paraît moins évident. En tout cas, j'ai l'impression qu'on essaie de superposer des grilles de lecture des savoirs académiques sur ces savoirs expérientiels. Et je ne suis pas sûre que ce soit complètement éligible. Donc voilà, je vous fais un peu le relais des questions et à la fois, je pose directement la question de la façon dont ils s'enseignent ou pas et dont ils s'évaluent. Pour moi, il y a une grande part du savoir expérientiel qui ne peut pas se généraliser, qui reste quelque chose de singulier, lié à une personne, lié à des situations. Alors, il y en a une partie qui peut certainement se... Par contre, pour être savoir expérientiel, il doit se formaliser, il doit être capable de se dire. Mais se dire, ça ne veut pas dire s'enseigner, parce qu'il n'a pas forcément une valeur générale. Et d'autre part, je dirais que s'il s'enseigne, s'il monte en généralité, ça devient un savoir académique. Enfin, ça devient un savoir, une connaissance commune ou une connaissance académique. Ce n'est plus du savoir expérientiel. Il y a une transmutation qui se fait. Donc, si on parle du savoir expérientiel, il peut se dire, il peut se communiquer à autrui, je dirais comme exemple. Hein, dire, tu vois, par exemple, moi, je m'en suis sortie en faisant telle chose. Effectivement, comme tu le dis, Déborah, c'est se proposer comme exemple personnel et indiquer des pistes. Dire, moi, les pistes, c'était ça. Et c'est donner espoir, c'est susciter des émotions positives. Mais je ne crois pas que ça puisse proprement s'enseigner. Bon, si je prends l'exemple, je vais prendre un exemple personnel. Je suis hospitalisée pour une maladie somatique de façon longue. Là, je suis confrontée à de la protocolisation bébête qui m'opprime. J'apprends à m'en débrouiller, c'est-à-dire que je passe une alliance avec une interne géniale et qui remet en cause, enfin, qui arrive à remettre en cause un certain nombre de décisions. Quand je reviens à la soirée suivante, je sais que j'ai une alliée. Je sais que je vais pouvoir négocier avec l'institution qui a tendance à m'opprimer. Je sais que je vais pouvoir, grâce à elle, qui est intelligente, qui comprend une série de choses, qui a un sens d'une initiative, je vais pouvoir m'en sortir, mieux gérer
mieux gérer ma situation. Ça, c'est du savoir expérientiel. Si je si j'essaie de l'enseigner, eh ben, je vais devoir le formaliser. Je vais le formaliser, je vais le théoriser. C'est ce que j'ai fait. C'est sur les limites de la protocolisation. C'est-à-dire que la protocolisation des soins, c'est quelque chose d'intéressant, mais que la protocolisation des soins, ça peut être aussi un rouleau compresseur. On passe au savoir académique, c'est-à-dire de mon expérience, je peux effectivement, en montant en généralité, tirer un savoir académique. Mais je dirais qu'en tant que savoir expérientiel, c'est quelque chose qui d'abord me sert à moi dans les situations concrètes, et puis quelque chose que je peux communiquer à quelques personnes de façon verbale pour les aider. Je peux effectivement aider un certain nombre de gens avec mes savoirs expérientiels. Mais après, si je les formalise, si je les enseigne, je passe au savoir, je monte en généralité et je passe au savoir académique. Voilà comment je vois les choses par rapport à ta question, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité de la question. En fait, je suis assez d'accord avec Lise, le savoir expérientiel, c'est un savoir issu de la vie avec. Donc, on peut cartographier, on peut vous faire voir tout le champ des possibles dans les savoirs expérientiels. Mais voilà, un savoir expérientiel, c'est un savoir acquis. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qu'on peut, c'est créer des. C'est un peu comme la définition à l'origine de l'empowerment, hein, le pouvoir d'agir. En fait, on ne peut pas le créer, on peut juste favoriser. Bah, les savoirs expérientiels, c'est la même chose. Et on peut créer des situations qui permettent aux gens de révéler des savoirs expérientiels acquis. On ne peut pas vraiment, en soi, créer un système académique de savoirs expérientiels. Par contre, dans le monde académique, de cartographier ces savoirs expérientiels et de savoir, et puis là, j'en viendrai à la question de l'évaluation, en fait. On ne sait pas vraiment les évaluer aujourd'hui, mais on pourrait mobiliser deux choses. On pourrait se demander... Voilà, et ça, on le fait déjà un petit peu, mais pas de manière assez précise. Par exemple, en proposant aux personnes de générer un récit biographique, qu'il soit par écrit ou sous une autre forme, pour ceux qui ont des problèmes de littératie, mais essayer de mettre en perspective son quotidien et de voir ce qui m'a été utile et comment ça a amélioré ma qualité de vie ou comment ça m'a permis de mieux me situer dans la société. Et puis, le savoir expérientiel socialisé, en fait, c'est quel impact? Quel impact social il amène? Est-ce que mes savoirs ont été utiles à l'un, à l'autre? Est-ce que, en fait, il a permis de transformer une organisation? Est-ce qu'il a permis de questionner le champ politique de la société? Et donc, c'est quel impact? Quel impact il a? Mais ça reste un champ complètement à défricher. Mais l'évaluation, pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on socialise un savoir, ben quel impact a cette socialisation du savoir? C'est la manière de l'évaluer. Et pour l'esprit critique, je dirais que moi, je penserais, pour des médiateurs de santé pair, parce que c'est un peu la question posée, ce qui serait intéressant, ça serait de constituer un modèle particulier qui soit inspiré du modèle BALIM qui est utilisé par les médecins. C'est-à-dire... Les médecins, un certain nombre de médecins se retrouvent régulièrement et ils analysent des situations de ce qu'ils ont, qu'ils ont rencontrées. Plutôt des situations qui leur ont posé, qu'ils ont questionnées. Alors ça peut être aussi bien sur le champ professionnel que dans la barrière qui, dans le cadre des relations, est très, très, très plus ou moins en fait, perméable de comment ça me touche dans ma vie intime. Et ce type de groupe, alors je donne ce cas-là parce que moi, ça fait longtemps que je voudrais qu'on monte des groupes de ce type-là, pourrait avoir un intérêt parce que ça permet justement le développement d'un esprit critique. Pour peu que les gens qui sont au sein du groupe soient assez hétérogènes et pas trop homogènes. Sinon, on se retrouve dans un entre-soir qui ne permet pas forcément de vraiment développer l'esprit critique. Il pourrait y avoir des groupes BALINT avec des professionnels et des médiateurs d'autres professionnels de santé et des médiateurs de santé pair, en sachant qu'en général, le groupe BALINT,
il est pas organisé avec des gens qui pratiquent ensemble. D'où l'intérêt. Oui. Oui, juste ajouter un petit point, parce que le mot évaluation me fait un peu frémir à coller à savoir expérientiel. Il n'est surtout pas question de se mettre à évaluer les savoirs expérientiels des patients, des usagers, et de dire un tel, il a des bons savoirs expérientiels et un autre, il n'est pas capable d'avoir des savoirs expérientiels. Bon, ça serait horrible, ça serait la catastrophe. La seule chose qu'on peut évaluer, c'est effectivement, comme le dit Luigi, des dispositifs innovants qui donnent une certaine place à l'émergence et à l'usage de savoirs expérientiels. Par exemple, évaluer le dispositif des médiateurs de santé pairs, c'était utile. Et ça passait par le fait d'aller voir les usagers ordinaires et de leur demander qu'est-ce qui se passe entre vous et le médiateur. Donc, on peut évaluer des dispositifs qui utilise ou favorise l'émergence de savoirs expérientiels, mais il n'est surtout pas question de se mettre à évaluer les savoirs expérientiels des usagers. Ça serait une dérive absolument catastrophique. Ah, c'est tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé sur les travaux de Bandura sur le sentiment d'auto-efficacité, ou le sentiment, enfin, l'autorégulation et tout, de pouvoir permettre d'avoir des critères qui permettent à chacun d'évaluer son sentiment d'auto-efficacité et tout, ça peut être utile. Après, le truc, c'est que dès qu'on parle d'évaluation, on prend le risque de se retrouver dans un système d'instrumentalisation. Et là, comme le disent, ça serait faire émerger quelque chose qui est impossible pour le rencontrer et recréer de la stigmatisation des situations qui sont déjà stigmatisantes, quoi. Mais je pensais à par exemple le référentiel de compétences là que j'ai donc identifié en observant pendant un certain nombre d'années des patients. Je l'ai remis en question à un moment où à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on est arrivé à un point où les étudiants en fin d'internat, c'est-à-dire au moment où ils vont être médecins ou pas, en fait, sont évalués sur des types d'examens qui sont des mises en situation, ce qu'on appelle un examen Hustler, c'est-à-dire un examen qui est le temps de consultation. Et donc, un patient va venir avec un trouble qu'il a déjà eu. L'étudiant ne connaît pas ce trouble et il va venir, et même s'il a plus ce trouble, le médecin va devoir faire une vraie consultation avec examen clinique et tout. Il va être évalué d'une part par un médecin, un clinicien, et d'autre part par un patient. Et donc, je m'étais posé la question de savoir si ce référentiel de compétences, en fait, suffisait ou s'il ne fallait pas d'autres compétences spécifiques par rapport à ça. Et donc, j'ai fait une enquête exploratoire auprès de malades chroniques dans différentes pathologies. Ce que j'ai réalisé, c'est que, enfin, je le savais, mais je l'ai mis en lumière, en fait, c'est que nous, en tant qu'être humain, quand on voit un autre être humain, on est tout le temps en train de l'évaluer. Sauf qu'on l'évalue sans même y penser. Et là, ce qui a été mis en évidence, c'est quels sont les critères qui font que le patient est en train d'évaluer le médecin qui est en face de lui. Et en fait, ces compétences, elles rentrent dans... les compétences que j'ai mis là, on pourrait rajouter quelques manifestations observables, mais elles tiennent la route aussi dans cette situation-là. Mais tout ça pour dire qu'en termes d'évaluation ou en termes d'émergence des savoirs expérientiels, un des moyens, c'est vraiment d'interroger les micro-décisions qui sont prises au fur et à mesure qui mènent à des champs d'action, parce que dans le savoir expérientiel, il y a les savoir-faire, mais il y a aussi les savoir-être. C'est comment je me réagis dans une situation, quelle attitude je prends envers moi-même et envers l'autre. Il y a tous ces champs-là qui sont des champs qui ne sont pas tellement décrits aujourd'hui dans les savoirs expérientiels. C'est pas une question, mais en fait je reprenais un peu le chat. Il y a des personnes qui disaient qu'effectivement, enfin pour faire un lien avec ce que vous disiez, Luigi, il y a des supervisions qui sont par différents organismes pour les médiateurs de santé pairs. Il y a notamment dans les pays de la Loire, les Hauts-de-France ou vers Paris. Et il y a aussi des formes d'analyse de pratique, mais c'est vrai que peut-être que ça devrait être plus généralisé ou
Voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ce qui était dit dans le chat. Mais c'est de l'analyse de pratique, ce n'est pas de l'évaluation. C'est tout à fait différent. Oui, bien sûr, c'est tout à fait différent. Oui, j'entends bien. C'était simplement pour rebondir sur ce que les personnes disaient dans le chat. C'est effectivement tout à fait différent. Par l'esprit critique, en fait. Quand j'ai parlé des groupes Balin, je parlais comment développer l'esprit critique. Oui. Cette question-là, ce n'était pas sur la question de l'évaluation. Ok, alors du coup, juste le temps de relire un petit peu les questions. Il me semble qu'on a encore un peu le temps pour prendre une ou deux questions encore. Excusez-moi, je remonte. Alors, il y a une question qui a été aussi qui a été posée, mais bon, je pense que vous avez quand même apporté des éléments de réponse par vos deux interventions et puis les échanges qu'on a eu précédemment, mais c'est vrai que la question ressort sur, du coup, en pratique, constatant tout ça, les phénomènes de stigmatisation, la hiérarchisation des savoirs un peu compressants qui, du coup, qui font aussi obstacle à l'émergence des savoirs expérientiels, l'importance donnée au savoir académique, comme ça, en savoir. Il y a plusieurs personnes qui posent des questions relatives à l'articulation en pratique dans les services de psychiatrie entre savoir expérientiel et savoir professionnel, ou alors, dit autrement, il s'agit d'essayer de proposer des pistes concrètes pour que les savoirs expérientiels soient pris en compte dans la pratique des professionnels de la santé mentale. Vas-y, Lise. Vas-y, Lucie. Moi, je dirais deux choses. Je dirais faut se servir de la connaissance, c'est-à-dire il y a des articles qui ont été publiés aujourd'hui avec quand même certains trucs pour essayer d'amener au moins un argument. Puis après, plus que hiérarchiser ces savoirs, moi, c'est la voie que j'ai choisie parce que ça me semble la plus propice, en sachant que ça peut prendre du temps, bien qu'au Québec, en fait, c'est devenu quand même une norme. Hier, avant-hier, j'étais sur une table internationale sur la question de la directive anticipée en temps de pandémie. Et il y avait un éthicien et un patient qui expliquaient qu'avaient été co-construits en fait, un protocole de hiérarchisation par rapport aux gens qui arrivaient aux urgences. Là, on démontre la complémentarité, c'est-à-dire qu'à un niveau d'extrême urgence, de critique de la société, on a mobilisé des savoirs expérientiels pour les adjoindre. Pourquoi? Parce qu'au Québec, en fait, il a été démontré à travers différentes actions référencées par des travaux que les savoirs expérientiels ont une utilité. Et donc, je dirais, la voie, c'est de faire voir qu'il y a des travaux qui disent que ça a une efficacité. Il y a des méta-analyses qui ont été faites sur le sujet, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, juste pour dire, ben voilà, intéressez-vous à ça, et puis après, d'aller plutôt dans la voie, plutôt d'essayer de les comparer, de voir comment ensemble ils améliorent le système. J'ajouterais qu'il faudrait introduire quelque chose sur les savoirs expérientiels dans la formation de tous les médecins. Je pense que pour le moment, ça n'existe pas, mais il faudrait une petite unité de valeur dans leur cursus, dans lesquelles ils puissent comprendre que l'exercice du métier de médecin implique de savoir écouter les savoirs expérientiels, de savoir en tenir compte et qu'il y ait ce dialogue entre savoir et savoir académique et savoir expérientiel. Enfin, qu'ils comprennent que l'exercice de leur métier, ça ne va pas être simplement l'application comme ça des savoirs académiques, que c'est autre chose, le métier de médecin. Ça devrait être systématiquement introduit dans les formations initiales de l'ensemble des médecins. Oui, puis il y a déclivé aussi, c'est-à-dire que en fait, un médecin, quand il fait de la clinique, il développe un savoir expérientiel. La nature sur laquelle se base ce savoir expérientiel n'est pas basée sur la même chose, sur des savoirs académiques
pas nécessairement pour le patient ou pour la personne qui arrive avec une vie avec, mais c'est lui, il a une base de connaissances et le fait d'exercer, il va finir par développer des savoirs expérientiels. C'est aussi désacraliser l'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication, en fait, et qu'après, on pourra toujours considérer que le savoir expérientiel, quand il est attaché à un savoir académique, il est plus important. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut aussi produire de la connaissance sur les savoirs expérientiels pour essayer de rééquilibrer ça. Mais que c'est, en fait, qu'il y a un terrain de rencontre qui sont que tous les deux ont des savoirs expérientiels. Le socle sur lequel il s'est construit n'est pas le même, mais ils sont sur le même champ. Mmh. Merci beaucoup pour vos pour ces propos, ces éclairages. De notre côté, sur le chat, nous n'avons pas d'autres questions à vous relayer. Du coup, on propose de vous repasser la parole, Monsieur Roland, pour les propos de conclusion. Bon, alors contrairement aux deux fois précédentes, ici, ça va être un peu moins facile pour faire une synthèse. Alors, peut-être parce que j'ai bien perçu la tension dans les normes dont vous m'avez parlé depuis le début, quoi. Et puis, la question aussi, la tension dans les normes, c'est la définition des bons et des mauvais malades, enfin, tout ce que vous avez un peu, comment dirais-je, dénoncé. Il n'y a pas d'importance, on est parti tout de même sur un principe de non-hiérarchisation entre les savoirs, mais de savoirs qui soient pour eux, entre eux, quand même. Parce qu'on voit bien que le savoir académique comme le savoir professionnel, il se base sur le savoir expérientiel, sur ce que disent les usagers. Toute la sémiologie est basée là-dessus. Donc là, il y a véritablement une porosité de ce que vous avez appris, une hybridation qui est nécessaire. Alors, vous avez insisté tous les deux sur le fait qu'il n'y avait pas de différence entre savoir expérientiel en santé mentale et santé physique. Oui, pour un certain nombre de choses, sauf que il y a l'obligation de soins dont a parlé Lise, et puis qui est lié à l'aliénation, c'est que le rapport de force, il n'est pas tout à fait égal par rapport aux maladies physiques. Et ça, c'est tout de même une réalité. Peut-être, si on n'avait pas d'obligation de soins en psychiatrie, peut-être que ça changerait toute la donne, tout le système d'ailleurs. C'est-à-dire les choses, stigmatisation et l'autostigmatisation. Voilà. Alors, ce qui a tout de même été important aussi, c'est que malgré ça, le savoir expérientiel est hors contrôle des soignants. Et ça, ça a été dit par l'un d'entre vous, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez important. Alors, que dire encore? Les différences sur les connaissances aussi. Bon, la sémiologie, on en avait parlé, qui est fabriquée avec les patients. Le rôle de l'information, ça véritablement, si on veut avoir du savoir expérientiel, ben, il faut diffuser l'information. Le rôle sur les médicaments, la iatrogénie, bon, ce n'est pas par hasard maintenant que pour tous les effets secondaires des médicaments, vous pouvez vous-même écrire sur le site de qui contrôle les médicaments en France. Les usagers peuvent écrire eux-mêmes directement les effets secondaires. Bon, ça, c'est tout de même assez, tout ça, c'est important. Voilà, et puis la santé, vous avez dit, c'est le salut. Bon, là, véritablement, quand on a des problèmes de santé mentale, il y a la connaissance de l'exclusion. Et l'exclusion est certainement une connaissance commune aux personnes, ainsi que la relégation aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves. Alors, le savoir expérientiel sert certainement à la lutte contre l'autostigmatisation. Et ça, c'est vraiment essentiel. Faire valoir le savoir expérientiel, le faire connaître, lutter contre l'autostigmatisation est quelque chose d'important. Alors, vous avez même pas mal de choses à dire. Moi, je pense qu'on peut intégrer, à partir de ce que vous avez dit, le savoir expérientiel dans toute évaluation médicale ou des systèmes de santé. Voilà, on peut véritablement, si on ne peut pas évaluer le bon ou le mauvais savoir expérientiel des patients, comme on dit, ou des gens concernés, on peut en tous les cas intégrer dans tous les systèmes d'évaluation et à tous les niveaux le savoir expérientiel usagé. On a pour expérience au CSOMS le Quality Ride Toolkit, qui est une des visites qu'on fait dans des services volontaires pour voir si les droits des patients sont respectés, les droits des usagers. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas et les familles et les patients et des usagers avec nous pour faire la visite, je pense que nos visites n'auraient pas la même tonalité. Et comme disait Luigi, il y a peut-être la moitié des choses qu'on ne verrait pas nous en tant que professionnels. Alors, on voit des choses que les patients ne voient pas.
mais pas certaines choses. Non. Donc il y a vraiment une complémentarité évidente pour tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Ça a été dit, mais c'est un peu comme l'empowerment. Les services, quand on se soigne, aussi bien en libéral, les médecins que dans le service public, moi, je pense qu'on peut mettre en place des dispositifs, qu'ils soient individuels ou collectifs, pour permettre le savoir expérientiel et son émergence. Ça a été dit à plusieurs reprises, moi j'ai fait des groupes Baline dans le temps, effectivement c'est aussi du savoir expérientiel chez les professionnels, mais là véritablement, ce qui est mis en place dans certains services avec des médiateurs de santé pairs ou des usagers, de laisser s'exprimer les gens en groupe au niveau de ce qu'ils vivent dans l'établissement sans contrôle de l'institution, est véritablement intéressant et permet l'émergence du savoir expérientiel. Alors, ce n'est pas sans lien avec les expériences freinées. Hein. Moi, je pense que tout l'enseignement freiné, c'est véritablement basé sur le savoir expérientiel. Et véritablement, il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré dans l'éducation nationale, de même que pour en ce qui concerne, si on peut prendre un parallèle, il faudrait peut-être qu'on en finisse un jour avec l'éducation thérapeutique du patient. On a eu tout un débat là-dessus qui a été mené avec Luigi, avec l'INSERM, avec l'école des hautes études en santé publique pour arriver, sortir de l'éducation thérapeutique qui là met évidemment le système en déséquilibre pour en arriver à une formation à la santé au rétablissement en santé mentale qui serait coproduite, co-construite, comme dans le modèle de Montréal avec des professionnels et des usagers. Et là, on serait dans un autre domaine véritablement où là, le savoir expérientiel aurait tout sa place. Alors, les référentiels de compétences, c'est effectivement difficile parce que le savoir expérientiel fonctionne par analogie. On ne peut pas l'imposer. Suivant l'adage, ce qui est bon pour toi n'est pas obligatoirement bon pour moi et réciproquement. Donc, on peut donner des expériences, des données de son savoir expérientiel sans que ce soit un savoir académique. Alors, savoir académique en psychiatrie est souvent statistique. Hein. Donc là, on sort des statistiques. Donc, on n'est plus tout à fait dans ce domaine. Bon, mais l'institution peut le permettre. Hein. Moi, je vois l'expérience de Nice, c'est de toute façon tout à fait passionnante. Mais y compris dans le service où Jean-Yves Giordana avait mis en place avec une psychologue et des patients, ce qui était bien avancé dans leur établissement, un groupe d'empowerment. Groupe d'empowerment qui s'est lié avec l'ensemble des musées de Nice, mais qui a aussi favorisé la prise de parole des personnes, leur participation au conseil local de santé mentale et par là même la sensibilisation de l'ensemble des élus et de la ville de Nice aux questions de santé mentale faites par des usagers eux-mêmes. De plus, la ville de Nice a embauché un médiateur santé pair pour le conseil local. Donc, moi, je suis bien d'accord là-dessus, le savoir expérientiel ne doit pas être cantonné au niveau des services de psychiatrie. Il a toute sa place dans le changement sociétal qui va changer peut-être à terme les questions de stigmatisation et d'auto-stigmatisation. Donc, on ne peut pas l'enseigner, mais on peut le favoriser véritablement. Et puis, je me suis dit en vous entendant que la fameuse liaison qu'on fait à l'OMS entre rétablissement, empowerment des citoyennetés, ben, le moteur de tout ça, peut-être l'ingrédient, c'est peut-être le savoir expérientiel. On ne peut pas le mettre au niveau de l'empowerment de la citoyenneté et du rétablissement, mais il n'empêche que c'est ce qui peut permettre de changer tout ce dispositif. Alors, les compétences de citoyenneté, on lui dit, on a parlé, mais c'est tout le travail qu'on avait commencé avec Moore, hein, avec Michael Moore à Yale, où il avait commencé à faire tout un référentiel et un questionnaire de citoyenneté qu'il voulait appliquer à diverses populations, dont les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc tout ça, si le savoir expérientiel permet d'être socialement et biologiquement vivant dans la société, tant mieux, voilà. Puisque ça j'ai été très marqué par ce que vous avez dit là-dessus. Et puis moi je pense que le savoir expérientiel, il humanise d'une certaine manière le savoir académique. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il peut être, il a toute sa place à côté sans être du savoir académique. Bon, alors après évidemment, si on prend ça du savoir académique, on va nous demander des normes et autres, mais pourquoi définir des normes? On pourrait au moins définir un référentiel, peut-être pas des normes, parce que ça reste un peu compliqué. Et puis, pour la dernière chose, s'il ne peut pas être transmis,
il peut être le... Alors, c'est toute la question qui est encore ouverte pour moi, qui n'est pas encore réglée. Il ne peut pas être transmis, parce que ce n'est pas transmissible académiquement parlant, mais l'envie de savoir expérientiel peut être transmise des uns aux autres. Alors, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Je n'ai pas encore les idées trop claires, mais enfin, ces webinaires nous permettent d'avancer. Donc, encore merci pour votre participation. Je crois que c'était vraiment important. Je pense qu'on doit, on va continuer à travailler sur les savoirs expérientiels. Je vais laisser la parole à Déborah pour la conclusion de la conclusion voilà, sur la suite du travail à notre niveau et avec nos partenaires. Merci, M. Roland. Juste, Luigi, tu as levé la main. Tu voulais réagir peut-être ou c'est un... Oui, je voulais dire trois choses. Une réaction par rapport à Mathieu qui a dit « Peut-on espérer voir se créer le référentiel de la formation médiateur avec un système de VAE ?» Il faut savoir que, par exemple, France Expert Addiction, dans le champ des addictions, ils ont déposé à France Compétences un système qui leur permet par les compétences d'arriver à un système de VAE. Et effectivement, c'est peut-être une piste qui peut organiser voilà, des personnes qui sont… Et ça passe par la question vraiment plus poussée d'aller chercher des systèmes d'évaluation. Mais c'est possible. Je voulais juste dire aussi que pour comprendre les symboles, dans l'Union européenne, on parle d'apprentissage tout au long de la vie. En France, on parle d'éducation tout au long de la vie. Par rapport à cette histoire d'éducation thérapeutique, on pourrait parler d'apprentissage plus que d'éducation. Et puis surtout, casser le cadre qui a été construit parce que les autres pays font de l'éducation thérapeutique sans faire de loi, avec des cadres qui sont bien moins restreints et avec des résultats tout aussi efficaces, sinon plus efficaces, à ceci près qu'effectivement, ce n'est pas généralisé comme sur le territoire français, bien que ce soit resté quand même très hospitalo-centré, le truc de l'éducation thérapeutique. Et puis, on peut s'appuyer peut-être par rapport à cette tension par rapport aux symboliques françaises, spécifiques françaises, sur les compétences de citoyenneté européenne, hein, où en fait, il y a apprendre à apprendre. Et les savoirs expérientiels, c'est un formidable moyen d'apprendre. Donc, moi, j'avais bossé il y a quelques années avec le CNAM sur les compétences sur l'Union européenne, donc je ne suis pas tellement satisfaite de ce qui sort. Il y a ce truc-là, il y a cette notion d'apprendre à apprendre, et le savoir expérientiel, c'est de l'apprentissage continu. Merci Luigi pour ces précisions. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là, il est bientôt midi. Je voulais simplement tous vous remercier très sincèrement. Vous avez également, je me fais le relais des remerciements qui apparaissent sur le chat pour la richesse de vos interventions et de nos échanges. Donc voilà, un grand merci à tous, à toutes et tous. D'un point de vue pratique, on a organisé cette série de trois webinaires qui sont tous disponibles en replay. Si certains ont manqué les premiers, y compris celui d'aujourd'hui, va être mis en ligne sur YouTube, sur le site du CCEMS, donc vous aurez la possibilité de le revoir. Et puis enfin, je voulais dire que le groupe de travail continue d'avancer sur ces sujets-là en essayant de mener également en parallèle un travail de recherche pour mettre un peu en exergue l'ensemble des éléments qui ont pu ressortir à la fois du groupe de travail depuis sa naissance déjà il y a quelques temps et puis nourri également de l'ensemble des informations qui ont pu ressortir des webinaires et des discussions qui ont été menées depuis le début de l'année et en fait depuis la fin de l'année dernière puisque ça a commencé en fin d'année dernière. Donc nous vous tiendrons bien évidemment au courant des avancées du groupe, de l'ensemble des informations que nous pourrons en ressortir, sachant que nous continuons de viser d'ici la fin de l'année l'élaboration de recommandations que nous essaierons de proposer à l'OMS et qui seront directement axés sur l'ensemble des éléments que vous avez discutés aujourd'hui, à savoir les conditions d'émergence, de développement, de diffusion et de valorisation de ces savoirs expérientiels. Donc voilà, on fera circuler l'information au fur et à mesure. Donc encore un grand merci à toutes et tous, et au plaisir de se tenir au courant sur le sujet. Voilà, merci. Merci. Au revoir, merci. Merci.